Salut, c'est Flo, bienvenue dans ce cinquième épisode de Vendredi Imprévu. Aujourd'hui, je vais voir le thème suivant, comment faire pour animer lorsqu'il n'y a pas de support. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous allez animer une formation pour 15 personnes, vous devez déployer un PowerPoint, sauf que bah, vous n'avez pas de support. Alors, pas de support dans le sens où bah, votre PowerPoint était sur une clé USB et vous avez oublié cette clé USB. Ou il était dans un fichier commun et vous n'avez plus accès à Internet. Bref, il y a plein de raisons qui font que vous n'avez pas votre support. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire pour gérer cette situation. Vous êtes prêts? C'est parti. Votre objectif est de dépasser votre état de stress, le fait d'être déstabilisé et de modifier votre animation pour pouvoir déployer sans votre PowerPoint. Au sommaire, on va commencer par l'état des lieux, la question la plus importante qui est qu'est-ce que j'anime, et puis le choix de la méthode, puis informer, comment anticiper cet imprévu, et je finirai avec mes conseils. Je commence par la première partie qui est l'état des lieux. L'état des lieux, vous le savez, est en deux parties. La première, votre état émotionnel, et la deuxième chose sont les faits. Commençons par l'état émotionnel. L'état émotionnel, c'est assez simple, vous êtes déstabilisé. Vous n'avez pas votre support. Vous arrivez dans votre salle et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas votre clé USB où il y a le support. Donc, je vais vous donner un exemple très concret qui est le mien. Je devais animer une formation de 5 semaines et j'avais toute mon animation, toute ma formation, tous mes modules, mes séquences, mes séances étaient toutes sur une petite clé USB. Donc 5 semaines d'animation, c'est très long. J'avais énormément de support, j'avais tous mes réveils pédagogiques, il y en avait une dizaine. J'avais bien sûr tous mes exercices, tous mes modules d'animation, tout était dedans. Bien plus grave que cette formation initiale, j'avais aussi toutes mes formations continues de 2012 jusqu'à 2016, puisque c'est arrivé à ce moment-là. Donc là, il y avait plein de choses. Sans compter tout ce qui était consigne et puis consigne de front, de middle office, de back office. Bon, tout ça était en centre d'appel. Donc, vous vous rendez bien compte de la tonne d'informations que je pouvais avoir juste dans cette petite clé USB. Et le lundi matin, je me rends compte que je ne l'ai pas. Je l'avais laissée le vendredi dans ma salle de formation et le lundi, je ne la retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben moi, ma vie s'est effondrée à ce moment-là parce que je dois faire une formation très longue et j'ai aucun support. Zéro support, plus rien. Et plus grave, je n'ai plus aucune formation du tout. Donc là, ça a été très compliqué pour moi, vous le pensez bien. Imaginez, vous n'avez pas votre support, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben il faut prendre le temps. Là, il y a un moment, il faut encaisser le coup et se dire « qu'est-ce que je peux faire pour animer tout de même ?» C'est ça la question à se poser, c'est comment je peux faire pour me sortir de cette impasse. Si je reste en me disant sur ma clé USB, il y a toutes mes formations de plusieurs années, mais comment je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Je suis foutue. Là, je ne peux plus animer, je peux arrêter toute ma formation, j'arrête là, c'est terminé. Non, il faut réagir autrement, bien entendu. Bon, sur le coup, là, j'ai quand même été très déstabilisée. Néanmoins, j'ai les heures qui ont suivi, je me suis adaptée. J'avais mon plan avec moi, mon plan de formation, qui est mon itinéraire pédagogique, et j'animais avec les moyens du bord. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Et puis pendant une pause, j'ai pu souffler, me dire comment je peux récupérer tel document, où est ce support, où est-ce que je peux le récupérer. Bon. Mais c'est évident que c'est très déstabilisant parce que vous devez animer et vous n'avez pas le support. Et c'est ça qui est très compliqué pour un formateur néophyte, c'est d'arriver à gérer cet imprévu qui arrive tout de suite. C'est pas un imprévu du genre exercice où on joue ce sont des jeux de rôle, on peut s'amuser à dire tiens je fais pas avec le paperboard aujourd'hui, je fais sans support. Là vous êtes dans la réalité terrain. Et c'est le plus difficile, parce qu'il faut réagir très vite. Alors, comment réagit un junior? C'est simple, il est déstabilisé. Donc, le temps qu'il reprenne son émotion, généralement, il va quitter la salle. Il va dire à ses apprenants, je reviens, je vais trouver mon support, j'arrive. Bon, vous pensez bien que le groupe se dit, il y a un problème. Donc là, le formateur sort, il se demande dans quelle catastrophe il est, et il va essayer de trouver des collègues, un chef qui peut l'aider, un informaticien si c'est un problème technique.
et on sent seul au monde. Voilà, comme on sent quand on est junior. On est complètement déstabilisé, on ne sait pas quoi faire. Donc on se raccroche à ceux qui savent. Et généralement, ce qui se passe à ce moment-là, bah, c'est que personne ne répond présent. C'est que vos collègues sont tous en formation, vos chefs sont absents, l'informaticien, évidemment, il n'est pas là. Donc on est tout seul et on ne sait pas comment gérer. Et c'est pour ça qu'il y a ces vidéos. C'est pour ça que je vais vous montrer comment faire quand vous n'avez pas votre support. Donc support qui peut être sur une clé USB ou il vous faut internet, peu importe. En tout cas, vous n'avez pas de support. Donc je reviens à ce que je vous disais au départ, votre état émotionnel, c'est que vous êtes déstabilisé puisque vous ne pouvez pas animer. Les faits, vous n'avez pas votre PowerPoint. Vous n'avez pas cette fameuse clé USB où il y a tout dessus. La première des choses à faire pour votre état émotionnel où vous êtes déstabilisé, vous vous rassurez. Oui, vous êtes en stress, vous respirez assez vite, c'est une respiration qui est haute, on se demande ce qu'il faut faire, on souffle, on se rassure, on va trouver une solution. Je suis formatrice ou formateur, c'est moi le maître du jeu, je vais trouver la solution. C'est ça qu'il faut se dire. Vous restez positif et vous avez le sourire. Toujours, peu importe la situation, le formateur sait s'adapter à toute situation, vous gardez votre sourire. Deuxième chose, votre groupe. Votre groupe, vous allez lui dire très clairement, bah, écoutez, j'ai un petit souci, je n'ai pas le support que je devais vous montrer, mais rassurez-vous, je vais trouver une solution. Vous expliquez à votre groupe ce qui se passe, c'est important parce qu'il voit bien que vous êtes déstabilisé, donc parlez-lui. Il n'est pas contre vous, votre groupe n'est pas votre ennemi, bien au contraire. Il est toujours avec vous, votre groupe. Généralement, ça se passe plutôt bien, à moins que vous ayez eu un conflit. Bon, mais généralement, il est avec vous. Donc, expliquez-lui, bah là, je ne trouve pas ma clé USB, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, concrètement, je ne sais pas. Pour ma part, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est exactement ce que j'ai fait. Je leur ai dit clairement, wow, là, je suis vraiment, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai plus ma clé USB. Il y avait tout dessus. Donc là, évidemment, comment mon groupe a réagi, ils se sont dit oh, « Mais comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis bah, « Laissez-moi 5 minutes. Revoyez ce qu'on a vu la veille. Laissez-moi 5 minutes ou la semaine d'avant. Je vais trouver une solution. » Et c'est ça qui s'est passé. Je leur ai demandé de me laisser 5 minutes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire la même chose. Votre groupe, vous lui dites bah, « J'ai pas mon support. Là, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire. » Et si vous vous sentez pris de panique, laissez-moi 5 minutes, je sors, j'arrive. Allez souffler, c'est pas grave. Il faut souffler, il faut se reprendre. Donc, tout va bien. Donc, je résume l'état émotionnel, vous vous maîtrisez, rassurez-vous, vous allez trouver une solution, vous gardez le sourire. Deuxième chose, vous prévenez votre groupe. Ensuite, dans les faits, c'est comment je peux déployer. C'est ça la question, j'ai pas mon support. Comment je peux faire pour donner l'information? Du coup, comment je peux déployer sans support? Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième, qui est la question la plus importante. Qu'est-ce que j'anime? Alors, c'est là où c'est important, quand on est déstabilisé, même si on s'est dit « Allez, je vais trouver une solution, tout va bien », il ne faut pas griller les étapes. D'abord, on se maîtrise, ensuite, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il y avait de prévu dans mon plan de formation? Donc là, il faut toujours l'avoir avec vous, ce plan de formation. Qu'est-ce qui était prévu aujourd'hui? Est-ce que je commençais par tel type de théorie, puis des exercices? Qu'est-ce que j'avais prévu? C'est ça qui est le plus important. Parce que si vous savez ce que vous devez animer, bah vous allez pouvoir chercher dans votre boîte à outils, dans les méthodes qui existent, ce que vous pouvez utiliser. C'est pour ça que c'est important. Donc, est-ce que vous avez de la théorie? Est-ce que vous avez des exercices? Est-ce que vous aviez prévu un réveil pédagogique ou un e-learning? Une de ces quatre situations. Eh bien, on va regarder quelle méthode existe pour la théorie, quelle méthode existe pour les exercices, même chose pour le réveil et pour l'e-learning. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on anime? Qu'est-ce qui était prévu là tout de suite? Imaginons qu'on avait de la théorie. Je dois déployer de la théorie. J'avais mon PowerPoint et j'allais bah, argumenter en même temps que je faisais dérouler mes slides. Donc, c'était de l'exposé. J'avais prévu un exposé. Pour ce cas, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Avant de vous donner ces solutions, il y a quelque chose de très important et que vous devez vous adapter à votre groupe. Quel type de groupe vous avez?
Est-ce que vous avez un groupe pragmatique ou pas? Est-ce que ce sont des personnes hyper inquiètes qui ont besoin de voir de l'écrit? Ils prennent beaucoup de notes, il y a beaucoup de couleurs, ils aiment bien avoir beaucoup de feuilles, des carnets, des choses comme ça. Donc là, généralement, on a un groupe qui sort de l'école, qui a vraiment besoin de prendre beaucoup de notes. Donc, est-ce qu'ils sont comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, on a un groupe qui est pragmatique? Ils veulent absolument manipuler sur le terrain. Quel type de groupe vous avez? Parce qu'il va falloir s'adapter à celui-ci et répondre à leurs attentes. Et pour ça, vous allez vous poser trois questions. Première question, de quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que vous alliez apporter avec cette théorie? Donc, de quoi ont-ils besoin concrètement sur le terrain? Deuxième question, quelle est la méthode la plus adaptée? Donc, en fonction des deux groupes que vous avez, quelle est la méthode la plus adaptée? Et la troisième question, est-ce que le changement que vous allez faire va convenir à tous? Est-ce que vous ne risquez pas de déstabiliser votre groupe ou est-ce qu'au contraire, ça convient parfaitement? Voilà les trois questions à vous poser. Maintenant, je vous donne mes deux solutions par rapport à la théorie. En fonction des deux groupes, soit ceux qui sortent de l'école, on va le dire comme ça, les inquiets, soit les pragmatiques, bah vous n'allez pas agir de la même façon. Si c'est de la théorie où là vous aviez prévu de faire un exposé, soit vous faites cet exposé mais sans le support, c'est-à-dire que vous allez tout faire de tête avec votre paperboard, donc là il faut avoir une excellente mémoire, ou alors vous utilisez la méthode de la découverte. La méthode de la découverte, il faut qu'ils aient quand même des compétences qu'ils puissent utiliser et c'est eux qui détiennent le savoir. C'est eux qui sont acteurs de leur apprentissage. Donc, il y a vraiment ces deux solutions-là. Alors, les deux solutions sont possibles. Maintenant, adaptez-vous à votre groupe et aussi par rapport à vous. Qu'est-ce qui vous rassure le plus? Alors, moi, en tant que formatrice junior, ce que j'utilisais, c'était l'exposé. Je préférais faire mon exposé comme c'était prévu, sans mon support. Je faisais tout de tête, en utilisant un maximum le paperboard, parce que ça me rassurait. Je savais où j'allais et je connaissais mon module par cœur parce que je m'étais entraînée. Donc, je préférais faire comme ça plutôt que d'aller vers de l'inconnu complet, qui ne me rassurait pas du tout et je ne savais pas comment faire. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec la découverte parce que vous les laissez manipuler, bah, finalement, c'est quand même le plus simple. C'est eux qui font, vous donnez juste des consignes, ils vont réfléchir en groupe, vous allez juste intervenir comme aide volante. C'est super simple et c'est hyper formateur. Si maintenant, on a affaire à de l'exercice. Bon, là, si vous aviez les consignes sur un PowerPoint, c'est très simple. Là, vous allez donner les consignes soit à l'oral, soit il y a quelqu'un qui va recopier, ou enfin vous allez noter au paper vos consignes d'exercice et puis vous laissez faire vos apprenants. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, à moins que vous ayez complètement oublié les consignes de l'exercice. Bon, eh ben c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous n'avez vraiment plus du tout l'idée. Eh ben regardez votre plan de formation. C'était quoi l'objectif de ces exercices-là? Qu'est-ce qui était prévu? Est-ce que vous pouvez rebondir en allant en créer d'autres? Est-ce que c'était des manipulations de logiciels? Si c'est des manipulations de logiciels, ben là, vous les faites ouvrir et là, vous allez manipuler avec eux, tout simplement. Ça peut être de la découverte, ça peut être ce que vous voulez. Mais rappelez-vous que vous avez les connaissances. Vous maîtrisez votre sujet. Donc, même si vous n'avez plus exactement toutes les consignes de l'exercice, bah c'est pas grave. C'était quoi l'objectif? Ok? Allez, je passe à la suite. Le réveil pédagogique, son objectif, c'est de synthétiser ce qui a été vu avant. La semaine d'avant, le jour d'avant, ce que vous voulez. C'est à ça que ça sert. Maintenant, vous aviez prévu un magnifique PowerPoint avec plein d'animations. Ça allait être super. Et en plus, vous en avez parlé à votre groupe, mais vous n'avez pas le support. Bon, tant pis. C'est pas grave, vous allez partir sur autre chose. Et qu'est-ce qui existe d'autre comme réveil pédagogique? Au lieu d'avoir une super animation, qu'est-ce qui était prévu? De poser des questions en individuel? Oui, c'est simple, hein. Vous prenez une balle si vous en avez une, vous lancez la balle à un de vos apprenants qui la récupère et vous lui posez une question. Et lui va prendre cette balle, il va la lancer à un autre apprenant et il va lui poser une question et ainsi de suite. Et là, chacun va répondre à une question, tout simplement. Ou alors, vous faites un battle. Vous divisez la salle en deux et le premier groupe va poser la question au deuxième groupe qui doit répondre correctement. Et puis là, vous allez compter les points, ils vont trouver des noms d'équipe et ça va être hyper animé. Donc là, c'est pas grave. Votre animation, elle servira à un autre moment. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être utilisées.
en réveil pédagogique, soit des battles, généralement c'est très apprécié parce qu'ils se battent un petit peu, ils se titillent, ils vont aller chercher des notions que bah, vous en avez juste parlé, personne ne l'a écrit, mais évidemment il y a toujours celui qui a écrit cette question-là et qui la ressort à ce moment-là, ou des questions très simples. Enfin voilà, c'est super intéressant. Donc, bah, faites-le vivre, votre réveil pédagogique, ce sera peut-être même mieux que ce que vous aviez prévu au départ. Mais faites-les participer. C'est ça qui est le plus important. De vous rappeler de l'objectif de ce réveil pédagogique, bah, c'est de synthétiser ce qui était vu la veille. C'est tout. C'est son seul objectif. Et puis faites participer vos apprenants et puis là, vous avez tout gagné. Et dernière chose, l'e-learning. Alors, un e-learning, évidemment, le plus simple, c'est que chacun le passe sur son ordinateur. C'est ce qui est prévu. Maintenant, ce que j'ai déjà vu beaucoup, c'est que tous les apprenants n'avaient pas tous les codes nécessaires pour passer chacun à leur tour les e-learnings. Donc, bah, le formateur le déroule pour tout le monde. Et là, vous ne l'avez pas. C'est pas grave. Vous l'avez passé avant. Vous savez ce qui est dit. En tous les cas, je vous invite fortement à le passer avant, de savoir ce qui est dit dans cet e-learning. Vous prenez des notes, regardez le déroulé, comment ça se passe, et vous allez tout simplement faire un exposé. Vous faites l'exposé, vous posez une première question pour amorcer ce sujet, bah tiens, qu'est-ce que vous connaissez de telle chose? Ils vont vous répondre, vous allez voir leur connaissance un petit peu, et puis vous allez bah, dérouler l'e-learning tout simplement. Vous faites un exposé au paperboard puisque vous n'avez que ça. L'étape suivante, c'est informer. Vous allez informer votre groupe de ce changement de programme. Donc allons-y par étapes. Bah, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mon support, donc je vais modifier l'animation et je vais même vous faire participer. Donc ça, c'est pour la découverte. Ça s'arrête là. Maintenant, comme je le disais au début, n'hésitez surtout pas à faire appel à vos apprenants. Généralement, vous allez avoir le leader positif qui va vous dire bah, « Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Écoutez-les. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas ma clé USB avec toutes mes formations dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous allez forcément avoir des réponses. Parce que vos apprenants, ils sont là bah, pour apprendre. Ils ont envie d'en savoir plus. Donc, ils vont vous dire bah, super, c'est une super opportunité, on va s'en servir. Et là, bah, vous les écoutez. Ils vont avoir plein d'idées. S'il y en a une qui sort du lot, vous vous dites, tiens, j'y ai pas pensé. Eh ben feu, allez-y. Vous validez auprès de tout le monde et puis vous lancez. Et c'est terminé. Et votre imprévu, il est bouclé. Maintenant, votre réaction, c'est sûr qu'elle joue beaucoup. Si vous dites « Ok, tout le monde est d'accord, on y va, c'est parti », là, on est bon. Si par contre, vous dites « C'est bon, ça ne vous dérange pas trop, je suis vraiment désolée, j'ai pas mon support, oh là là, c'est catastrophique », non, c'est fini. C'est fini, il y avait un imprévu, vous l'avez géré, on passe à la suite, c'est pas grave. Vous réfléchirez après à ce qui s'est passé, aux erreurs que vous aviez pu faire, c'est pas grave. Là, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on balance l'info. Donc, on est tous d'accord, oui, allez, ok, c'est bon, super, et on avance. Là, c'est show must go on, on y va. Ok, c'est bon pour informer. Et maintenant, on passe à la partie qui est pour moi la plus intéressante, c'est comment anticiper. Donc là, vous n'aviez pas de support, ça a été vraiment déstabilisant, vous vous êtes senti seul au monde. Comment je peux gérer ça? Alors, il y a deux choses. D'abord, votre état émotionnel, est-ce que vous vous êtes maîtrisé? Est-ce que vous vous êtes mis à pleurer d'un coup? Est-ce que vous êtes parti de la salle? Comment avez-vous réagi? Et est-ce que c'était la bonne réaction? Que ce soit la bonne réaction ou pas, c'est passé. C'est fini, vous avez peut-être très mal réagi, c'est pas grave. C'est terminé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est maîtriser son émotion. J'ai mal réagi, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Ben, maîtriser mon émotion, je peux sortir 5 minutes, je peux souffler, faire des exercices de respiration, si je suis vraiment énervée ou trop stressée, ou j'ai vraiment senti, je me suis sentie oppressée, j'avais vraiment une respiration haute, eh ben, je vais respirer par le ventre, je vais me concentrer 2 minutes là-dessus. Je suis sortie de la salle, j'ai 2 minutes pour moi, par exemple. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est vous rassurer. Vous vous rassurez, vous gardez le sourire, vous restez positif. Et surtout, voyez-le comme un jeu. Plus vous allez voir cet imprévu comme un challenge, comme un jeu, plus ça va être facile pour vous de gérer la situation. Si c'est un jeu, il n'y a pas de risque. Bah donc on y va, on joue. Alors que s'il y a un enjeu, bah là vous allez beaucoup plus mal le vivre. Donc c'est un jeu. Amusez-vous, c'est un jeu. Testez des trucs. Et c'est peut-être même
hyper intéressant. Dites-vous, pourvu que j'ai un imprévu, ça va me permettre d'avoir une opportunité. Peut-être même pour changer complètement un plan de formation. Ça, c'est ce qui a pu m'arriver avec un groupe qui était très déstabilisant. Là, j'ai dû modifier complètement mon plan de formation. Mais ça a été très utile pour les formations qui ont suivi. Donc, voyez-le comme un jeu. Maintenant, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est ce que j'appelle définir le plan B. Le plan B, ça veut dire qu'est-ce que je me prévois comme autre solution. Si j'ai prévu tous mes supports sur une clé USB, est-ce que je peux la mettre sur une deuxième clé USB? C'est tout bête. Mais au lieu d'avoir un seul truc, si il perd, là, vous ne l'avez plus du tout. Si j'ai deux clés USB, il y en a une que je perds, je peux toujours utiliser l'autre. Bon, dans tous les cas, moi, je ne vous conseille pas les clés USB parce que, pour l'avoir vécu ainsi que mes collègues, quand on a une clé USB, on finit toujours par la perdre. On ne sait pas où, mais elle s'est perdue quelque part. Elle a disparu. Bon, et on a tout perdu, on était très malheureux. Bon, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit qu'il ne fallait pas utiliser de clé USB. Autre chose par rapport à ça, c'est qu'une clé USB, une fois que vous avez un support dessus, il faut penser à le mettre à jour régulièrement. Malheureusement, si vous êtes 5 formateurs dans votre équipe, il y a 5 clés USB, ça veut dire qu'il y a 5 façons différentes d'animer. Il y en a un qui l'a mis à jour aujourd'hui, son support, un autre l'a mis la veille, et là vous pouvez avoir plein de soucis d'informations. Vous donnez une information à 15 personnes. Si elle est mauvaise, imaginez les impacts une fois qu'ils vont en parler aux autres. Donc, les clés USB, c'est vraiment à éviter. Maintenant, ce qui existe et qui est très bien, c'est le dossier commun. Donc ça, évidemment, ça marche par Internet, mais si vous avez un dossier commun avec un support, il y a 5 formateurs, vous utilisez le même support. Et à partir du moment où on l'a mis à jour, ce support, il est mis à jour pour tout le monde. On n'a pas besoin d'y penser. Il n'y a pas de risque de perte. Par contre, s'il n'y a pas Internet, vous allez faire sans support. Mais voilà, moi, je ne vous conseille pas les clés USB, je vous conseille les dossiers communs. On les a. Après, ce qui peut être utile aussi, c'est de s'envoyer les supports par email au cas où il y aurait un petit souci, par exemple. Bon, ça peut arriver. Il y a un jour où je n'avais pas eu accès au dossier commun, ma collègue m'a envoyé le support par email, j'ai pu le déployer comme ça. C'était une utilisation ponctuelle, par contre. Donc, vous avez d'abord plusieurs supports, mais au moins vous avez toujours ce support avec vous, et aussi détecter les besoins de votre groupe. Si vous avez compris comment fonctionne le groupe, vous allez pouvoir lui apporter ce qu'il a besoin. Et malheureusement, on fait tous cette erreur de foncer tête baissée en se disant « Non, mon plan de formation, il est comme ça, il faut que je le suive. » Et oui, mais si vous avez des groupes, des inquiets qui ont besoin de beaucoup d'écriture ou des pragmatiques, vous ne pouvez pas animer de la même façon. Donc, il faut s'adapter à ce groupe. Comment il fonctionne? De quoi ils ont besoin? Là, c'est assez simple pour les observer, puisque si vous les voyez gratter tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez au paperboard, ils écrivent tout, ce sont des inquiets qu'il faut rassurer. Si au contraire, ils vous posent toujours la question « Ouais, d'accord, tu nous as dit ça, mais en vrai, ça se passe comment ?» Là, vous savez que vous avez un groupe pragmatique. Il faut leur apporter vraiment ce qui va se passer sur le terrain. Donc, adaptez-vous à ce groupe, suscitez leur intérêt et allez chercher leurs besoins. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous attendez? J'en ai fini avec cette étape-là, je passe au conseil. Il y en a 3. Premier conseil, adaptez-vous à votre groupe, comme je viens de vous le dire. Deuxième chose, faites ce qui vous rassure le plus. Comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai utilisé l'exposé à un moment donné, parce que ça me rassurait. Parce que je connaissais tout mon module par cœur. Je l'avais tellement déployé, je l'avais tellement en tête que je voulais réagir de cette manière-là. Donc j'ai fait l'exposé. Ça peut paraître absurde, ça peut paraître complètement farfelu parce que j'ai vraiment été dans la difficulté d'aller chercher de tête tout mon module. Il y avait des risques d'erreur, il y avait des risques d'oubli, mais j'ai voulu faire ça parce que ça me rassurait. C'est pas grave, on corrige après. Mais j'ai utilisé cette technique-là, ça me rassurait. Si pour vous, c'est la méthode de la découverte qui vous rassure, faites comme ça. Utilisez ce qui vous rassure le plus. Adaptez-vous à votre groupe. Et dernier conseil, gardez le sourire. Toujours le sourire, ça aura toujours un impact. Et positif. J'en ai terminé avec cet imprévu. Vous le savez, un imprévu, c'est déstabilisant. Mais adaptez-vous à votre groupe, connaissez-vous. Utilisez ce que vous connaissez et là, il n'y aura aucun souci.
Likez ma vidéo, marquez-moi un petit commentaire, dites-moi si vous avez eu cet imprévu et comment vous avez réagi. Si vous avez d'autres imprévus, bien, je serais ravie de les lire et puis de les traiter avec vous directement. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès à tous mes imprévus. À vendredi prochain!